Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire un pull adulte, c'est-à-dire un pull sans manches avec un gros col roulé pour mettre au-dessus d'une chemise, d'un chemisier, d'un maillot, comme vous voulez. Donc, moi j'ai pris de la laine. Azurite qui se tricote en 3,5 ou 4, j'ai pris un crochet numéro 4. Donc ici le dos, j'ai fait tout simple, tout en bride. Donc ici ça va être un point, un beau point en relief. Et si jamais vous voulez, vous pouvez toujours tricoter le dos pareil. Donc ici, je vous montre, nombre de laine, il en faudra assez bien parce que ce point-ci demande de la laine. Donc je dirais bien 7-8 boules de laine. Et je crois que j'ai tout dit. Donc je vais enlever ça. Et on va commencer par les côtes, par le dos et les côtes. Donc pour monter le dos, il faudra une chaînette de 70 mailles. Donc, une, deux, trois. Voici, moi j'ai fait un petit échantillon, mais vous avez 70 mailles. Et j'ai oublié la taille, ce sera pour un 38-40. Donc, la première ligne se fait, on va commencer les côtes, mais la première ligne se fait avec une rangée de brides. Donc, un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on écoule deux mailles, un jeté, on écoule les deux dernières. Vous faites des brides jusqu'au bout. La rangée de brides est terminée. Je vous répète que c'est un échantillon. Vous devez avoir 70 brides. Au bout, comme à chaque ligne, on fera 3 mailles en l'air. On tourne son travail et on va commencer les brides en relief. Donc, on va faire une envers. Vous passez le crochet. Il faut qu'on le voit à l'envers. Vous faites une bride en fait, un jeté, on écoule deux mailles, un jeté et les deux autres. La bride à l'envers. Maintenant, on va faire à l'endroit. On fait un jeté et on fait devant nous. Il faut qu'on voit le crochet devant nous. Là, c'est l'endroit. Donc, on fait une bride. Je recommence à l'envers, un jeté, on passe son crochet par derrière et on la tricote par derrière. Deux, à l'avant, à l'arrière, à l'avant, et vous terminez toujours comme ça jusqu'au bout, en droit, envers. À tout de suite. Voici, nous voici à la fin de la ligne que je vous montre, en droit, et la dernière, vous faites tout simplement une bride. Et vous refaites une, deux, trois mailles en l'air, comme à chaque tour.
Donc maintenant, on va suivre. Là. Endroit. Envers. Et la dernière, une bride. Dans la troisième des trois mailles serrées qu'on a fait du rang précédent. Donc, sur une, deux, trois mailles en l'air. Ah, ça va mieux. Maintenant, on va suivre. Celle qui se présente, c'est une endroit, donc on fait une bride en relief à l'endroit. Celle qui suit, c'est à l'envers, on la fait à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Vous suivez toujours toutes les lignes comme ça, on commence à voir les côtes. Donc vous allez suivre et vous allez faire 5 cm de côte. C'est-à-dire 6 rangées en comptant la rangée de bride. Mais vous pouvez les faire plus grandes si vous voulez ou plus petites. À tout de suite. Voici les côtes terminées. Donc on va passer tout simplement, point tout simple, 1, 2, 3, on tourne son travail, des brides. À chaque maille, on va faire des brides. Il faut bien faire attention parce que avec les côtes en relief, on ne les voit pas si bien. Mais en allant doucement, on les voit. Vous allez faire que des brides pour le dos. Vous voyez, jusqu'au bout, trois mailles en l'air, des brides, toujours pareil. Et je vais vous donner le nombre de rangées à faire. Alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 rangées. C'est-à-dire, si vous voulez plus long, vous faites. C'est-à-dire, 37 centimètres. Ou plus long si vous le désirez. Moi j'ai arrêté à 37. Les côtes compris dedans. Donc maintenant on va diminuer quand on arrive à 37. On tourne son travail. Donc, ici, pour diminuer, vous allez dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez une maille et vous la rentrez dans la maille du crochet, c'est-à-dire une maille coulée. Donc, ça fait une maille, vous allez dans la deuxième, faites une maille coulée, ça fait deux, vous allez dans la troisième, vous ramenez une boucle, la rentrée dans celle du crochet, ça fait 3 mailles. Donc, il faut aller dans la quatrième et faire une quatrième maille coulée. C'est une partie des diminutions. Donc après, on refait 3 mailles en l'air et on continue dans chaque maille, comme ici le bas, les brides. On se revoit ici pour les diminutions. À tout de suite. Nous voici arrivés à la fin. Donc, comme je vous ai dit, c'est tout en bride. Comme on a laissé
4 brides ici. Pour les diminutions, on va laisser de l'autre côté 4 brides. Donc on compte, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. 1, 2, 3, 4. Donc ici, encore 2. 1 et 2. Voici la diminution. Maintenant, sans faire de mailles en l'air, on tourne son travail. Et on va faire encore des diminutions, mais cette fois-ci 3. Donc vous ne faites pas de mailles en l'air. Vous piquez exactement comme on a fait ici. Dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Vous piquez dans l'autre maille. Vous faites encore une maille coulée, ça fait 2. Et la troisième, une maille coulée. Ça, ce sera... Maintenant, les diminutions du côté-ci sont terminées. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air pour recommencer. Un tour de bride. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voici. Et ici, on laissera à la fin 3 brides pour les diminutions pour faire comme ici. Et on continuera en bride jusqu'aux épaules. Pour l'instant, on se rejoint ici pour les diminutions. A tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin. Donc, comme ce côté-ci, on laisse 3 brides, c'est-à-dire 3 diminutions. 1, 2, 3. Donc, je compte. 1, 2, 3, et pour être bien sûr, on mesure toujours avec l'autre. C'est parfait. Donc maintenant, on va continuer en faisant 1, 2, 3, mailles en l'air, comme chaque tour. Et on va continuer en bride. Vous voyez, les embouchures se forment. Donc, on va continuer 12 à 13 rangées et on regardera si c'est bon ou pas avant de faire les épaules. À tout à l'heure. Donc, ici, j'avais dit qu'on se reverrait à 12 lignes ou 13. Mais j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À partir d'ici, où qu'on avait diminué la deuxième fois. 13 lignes. Pour être plus sûr, vous prenez, dès qu'on a diminué la ligne là, et cela fait 20 cm. Donc on va commencer les épaules. Donc, les épaules, on va commencer. On va faire une maille coulée dans la première. Ça fait une diminution. Dans la deuxième, une maille coulée dans la troisième, ça fait 3. Et une maille coulée dans la quatrième, ça fait 4 diminutions. On fait 2 mailles en l'air et on continue en bride jusqu'ici. Où on se reverra un petit peu après pour l'épaule. Donc, pour l'instant, vous continuez jusqu'au bout. Nous voici à la fin. Vous voyez, j'ai laissé 4 mailles. La première bride, elle compte. 1, 2, 3, et on pique dans la quatrième. Donc, on retourne le travail. On va refaire la même chose.
On va dans la première, on fait une main coulée, une. Dans la deuxième, deux. Trois. Et quatre. On fait deux mailles en l'air. Trois mailles en l'air, pardon. Et on continue en bride. Jusqu'ici où on laissera 4 brides. A tout de suite. Voici, j'ai laissé 4, ici une, 2, 3 et la quatrième que j'ai tricoté. Donc on retourne au travail et on refait la même chose. Une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées. 4, et à la quatrième, on fait 1, 2, 3, 3 mailles en l'air pour recommencer un tour. Vous voyez, une épaule de fête. Maintenant, vous continuez jusqu'ici en laissant tricoter dans la quatrième. Mais on se reverra un petit peu avant. Voici, nous arrivons. Nous sommes arrivés au bout de la ligne, donc j'ai laissé les brides ici, donc on coupe le fil, le dos est terminé. Je vous montre un peu, là ça sera pour le col, ça paraît grand mais ça va pas être grand du tout. Les épaules, les emmanchures et le bas. Voici le dos. Maintenant, je vais vous montrer le devant est différent. Je reprends mon échantillon. Je vais vous montrer le devant que j'avais commencé. Point en relief. Donc, les côtes. Vous montez 70 mailles et vous faites les côtes. Comme pour le dos. Je vais remesurer. Six centimètres. C'est bien ça. Ou 5, ou 6, ou 7. Comme vous voulez les côtes, aussi long que vous voulez. Donc, moi je reprends ici. Donc ici, 70 mailles. On refait les côtes comme pour le dos et après que c'est fait, on attaque le point fantaisie. Donc, je vais vous montrer la première ligne. On fait 3 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3, 4, on va dans la cinquième pour faire une bride. On fait 2 mailles en l'air. On fait une bride dans le même trou, la même maille. Voici. Après, ici, encore 1, 2, 3. On va dans la 4, dans la troisième. On fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Vous comptez 1, 2, 3, 1, 2, 3, dans la quatrième, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride, vous comptez 1, 2, 3 mailles, dans la quatrième vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille pour faire un petit V. Et vous terminez par une bride. Voici. Donc, on va faire le deuxième tour. 1, 2, 3 mailles en l'air,
toute façon, ce sera toujours 3 mailles en l'air à chaque tour. Maintenant, on va faire. Voyez le petit motif ici. On prend la première bride et on va le faire une bride en relief par devant. Je vais recommencer. Vous faites une jetée, un jeté, vous allez à la première bride du motif, vous l'enroulez, mettez le crochet pas dans la maille mais autour ici. Un jeté, vous passez en dessous, un jeté, vous écoulez deux, un jeté, vous écoulez les deux autres. Maintenant, on va travailler dans le petit V. On va faire une bride, deux brides, trois brides. On va faire une maille en l'air. Et on refait trois brides toujours dans le même trou. Une, deux, trois. Trois brides. Maintenant, la deuxième bride du petit motif, elle est ici. Vous l'enveloppez comme la première. Vous faites un jeté. Vous passez tout autour. Une jetée, vous faites une bride, mais en relief. Voilà. Maintenant, un jeté, et on recommence le V d'un côté. On enroule la première. Et on fait trois mailles dans le V. Une. Deux, trois brides, pardon, trois brides. Au bout de trois brides, on fait une maille en l'air qui sépare et on refait trois brides dans le V. Une, deux, trois. Et la dernière du V, on l'enveloppe. On fait une bride en relief. Un jeté, on l'enroule par devant, on passe le crochet comme ça, on va chercher le fil, un jeté comme une bride, mais enroulé. On recommence, un jeté, on enroule la première maille du V, on fait une bride en relief, on fait trois brides, une, 2, 1, 2, 3, 1, 2, une maille en l'air, 1, 2, 3, et on enroule celle-ci, la deuxième du petit V. On fait une bride en relief et on recommence toujours. Un petit V, on l'enveloppe. On fait trois mailles, trois brides dans le trou, une, deux, trois, on sépare avec une maille en l'air et on refait trois brides trois. Et on enroule la deuxième. Une bride en relief. Et ici, on va terminer par une maille
par une bride. Dans la maille, dans les trois mailles en l'air du rang précédent. Donc ça vous fait ça, ça fait un peu large, mais vous allez voir. Une, deux, trois mailles en l'air. Maintenant, ajoutez, vous allez faire une bride ici dans le milieu où on avait fait la maille en l'air, les deux groupes. On va faire une bride, deux mailles en l'air et une bride dans la même maille, au centre. On recommence, on va dans le motif suivant, voyez la moitié où vous avez fait le groupe, une maille en l'air ici, vous faites une bride dans le milieu. Deux mailles en l'air, une bride dans la même maille. Vous allez dans le motif suivant, au milieu, une bride. Une maille en l'air, une bride dans la même maille. Vous faites ajouter, vous allez ici dans le groupe où on avait fait une maille en l'air, vous faites une bride au milieu, deux mailles en l'air et une bride dans le même trou. Et on termine ici dans la troisième maille des trois mailles en l'air du rang précédent. On fait une bride. On fait trois mailles en l'air. Trois. Je vous montre un peu. Donc, ce sera répété toujours le deuxième tour et le troisième que je viens de faire. C'est-à-dire, comme ici, on vient de faire ici les deux mailles dans la même maille, on reprend les gros motifs, les gros groupes. Je vous montre l'exemple. Le V, le premier V, on l'enroule. On fait trois mailles, trois brides, pardon. Une, deux, trois brides, on sépare d'une maille en l'air. On refait trois brides. Trois. On enroule la deuxième du V par une bride en relief. Et on recommence ici. Une bride en relief. 6, 3 mailles, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et on enroule la deuxième. Toujours pareil, qu'est-ce qu'on vient de faire ici. Et après, vous faites, qu'est-ce qu'on vient de faire, les deux V. Vous répétez ces deux tours. On ne s'occupe pas du premier. Donc ça vous fera ceci. Voici arrivé aux diminutions. Donc, moi je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coquillages. Mais pour être plus sûr, je prends la hauteur des côtes, c'est-à-dire du bas jusqu'ici. Ça fait 36 cm jusqu'aux diminutions ici, où qu'on va commencer à diminuer. Donc, on fait, normalement on fait trois mailles en l'air. Ici, c'est la rangée qu'on fait les deux brides dans le milieu. On va faire
des bailles coulées. Une, deux, trois, dans chaque maille, quatre, on va dans le trou, cinq, six, sept, huit, et ici dans le creux, neuf. De là, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. On va aller dans le milieu du groupe. On va faire une bride. On va faire deux mailles en l'air. Et une bride dans le même trou, comme les tours précédents. Une fois un groupe comme ça, une fois le tour là. Donc, on continue une bride, deux mailles en l'air, une bride dans la même maille. Vous voyez, ici ce sera la diminution. Vous allez continuer tout droit et on se reverra ici à la fin. Voici, nous arrivons à la fin de la ligne. Ici, on a diminué. Donc ici, diminuer ici, on arrête ici, vous laissez un motif complet et au deuxième, vous faites deux mailles au milieu, comme le point. Vous tournez votre travail. On va refaire des mailles coulées, une dans le V. Deux dans la maille suivante, ici dans le V, et ici dans le V, on va faire une maille coulée aussi, et ici on va faire une, deux, trois mailles en l'air. Dans le deuxième V, dans le premier V, ici c'est les... Je vais bien vous expliquer. Ici, c'est les diminutions. Dans le 3 mailles en l'air, dans le V. Donc, on refait 2, une bride, 3 avec les 3 mailles en l'air. Une maille en l'air. On refait un groupe. Une, deux, trois, et on enveloppe la deuxième ici du V en faisant une bride en relief et on recommence le premier V, on l'enveloppe, une bride en relief. On fait trois brides dans le V, une, deux, trois, une maille en l'air pour séparer, et on refait trois dans le V, trois brides, une, deux, trois. On enveloppe ici la deuxième de V. Et toujours pareil, on continue dans chaque V, le groupe, les groupes que je viens de faire là. Ici, ce sont les diminutions. Ce sera pour le devant. Vous allez continuer les groupes avant d'arriver ici. On se revoit. Nous arrivons à la fin, donc on doit refaire une diminution. Là, j'ai fini le groupe, la coquille. Donc ici, il y a deux V. Il faut laisser pour les diminutions. Vous passez le V
et vous allez à côté dans la maille et vous faites une bride. Voyez, vous retournez le travail, vous refaites une maille coulée, deux mailles coulées, trois mailles coulées, et vous allez quatre mailles coulées, vous allez dans le trou où vous allez faire une, deux, trois mailles en l'air, quatre, cinq, c'est-à-dire une bride plus deux mailles en l'air, et vous refaites une bride ici. Donc on a la bride, les trois mailles en l'air, les deux mailles en l'air et la bride. Ça nous fait un petit V. Après, vous allez au milieu de la coquille, vous refaites une bride, deux mailles en l'air, une bride. Ça, c'est le deuxième tour qu'on doit faire après la coquille. Là, toujours pareil, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Vous allez continuer tout le long, comme ceci, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et on se revoit ici à la fin. Voici, on arrive à la fin. Attendez que je vais refaire. On était autour de deux brides, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Donc, à la fin, vous voyez un groupe. Vous faites une bride dedans, deux mailles en l'air, et tout simplement une autre bride, comme le tour. Maintenant, on va tourner. La diminution est faite. On va tourner notre travail. Une, deux, trois mailles en l'air. Qu'est-ce qui équivaut à une bride? Deux, trois brides. On ne fait pas la bride en relief, car on est en diminution ici. De toute façon, il va y avoir une bordure pour la finition après. Donc, on fait trois mailles, trois brides, une maille en l'air et trois brides, comme le premier tour. Une, deux, trois. Et là, on peut envelopper celle-ci, la deuxième. Et vous recommencez, on enveloppe la première du V, une bride en relief, dans le trou, une, deux, trois, une maille en l'air, une, deux, trois brides, et on enveloppe la deuxième en bride en relief. Voilà un coquillage de fée. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les diminutions. Voici un côté et voici l'autre, et c'est parfait. Tout donc. Maintenant, vous allez toujours continuer ici et finir ici par le petit arceau, comme ici, un groupe de 6. Mais on va finir les coquillages, on se revoit quand même avant ici. Et après, ce sera toujours tout droit.
Arrivez ici, voyez, vous faites un groupe de 6, comme ici. Vous tournez votre travail. Vous faites 3 mailles en l'air, 2, 3. Vous allez dans le milieu, au centre des 6 brides. Vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Pareil ici, on va dans le centre où il y a la maille serrée. La maille en l'air, pardon, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même trou. Vous continuez toujours comme ça, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et vous allez aller ici, finir comme ici qu'on vient de faire, c'est-à-dire ici dans le motif, on terminera par que je calcule deux brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et 3 mailles en l'air. De toute façon, on se retrouve ici. Voilà, on arrive à la fin. Donc, on fait une bride dans le groupe de 6. Comme ça, on retombe comme au début. Maintenant, vous allez toujours continuer. 1, 2, 3. Vous voyez, ça grandit. Maintenant, on arrive autour des 6 brides. On enroule vers une bride en relief, la première du V. On fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et vous refaites 3 brides dans le V. 1, 2, 3. Et vous faites là, dans la deuxième du V, vous enveloppez une bride en relief. Vous refaites le point ici, pareil, une en relief. 3 brides une maille en l'air, 3 brides, et vous enveloppez la deuxième du V. Vous continuez toujours comme ça jusqu'au bout. Arrivez ici, vous faites le groupe ici dans le 6 et vous allez faire une bride 3 mailles en l'air. Pareil qu'on a fait ici au début. Vous allez continuer. Donc je vais mesurer un peu. Je reprends le dos. On prend où qu'on a diminué en premier ici. On prend bien la ligne là. Et on mesure juste. On arrête juste avant qu'on a fait les épaules. Ça fait 20 cm. Avant les épaules. Les épaules, c'est après. Donc 20 cm, je vais mesurer avec les motifs où qu'on est arrivé. Ici, on a diminué, on commence ici à mesurer. Et vous voyez, on est en train de faire la 12 cm, bientôt. Donc, il faudra aller jusque 20. Mais on se reverra à 19 pour voir où on en est.
À tout de suite. Voici, on arrive ici à ...20 cm, comme je vous avais dit, à partir des diminutions. Donc, maintenant on va faire les épaules, parce qu'il va falloir un petit décolleté ici. Pardon. Donc, on compte le dos 7 cm d'épaule, où qu'on a arrêté. Et de l'autre côté, pareil. Donc, vous comptez ici, maintenant, 7, ici, j'ai mis un petit repère rouge. De l'autre côté, pareil, 7 cm. J'ai mis un petit repère rouge. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va tourner son travail. On va enlever le dos. On va faire 3 mailles en l'air. 2, 3, on tourne. Et vous suivez. Comme ici, il y a un petit V. On fait pareil. On l'enroule par une bride en relief. On va dans le petit V. On fait 1, 2, 3, une maille en l'air, comme on a fait jusque maintenant, 1, 2, 3, et tout ça dans le petit V. Maintenant on enroule la deuxième bride, on fait une maille en relief, on fait une maille jeté, on l'enroule la première ici du deuxième petit V du rang, et on refait 3 brides dans le trou, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on enveloppe la deuxième par une bride en relief. Voilà deux motifs. On regarde le petit fil, on l'enroule ici le troisième petit V. On refait 3 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, et on enroule la deuxième du petit V. On regarde un peu. Mais on termine par, il y a un petit V à côté, on va aller faire une maille, une bride, pardon, dans, rien qu'une bride dans le petit V. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait le point, on va dans la moitié du motif. On fait une bride, 1, 2 mailles en l'air, une bride. On va dans le motif suivant, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et le dernier motif, 1, 2 mailles en l'air, une bride. Et on termine ici
par une bride dans les trois maillons l'air qu'on a fait au début. On retourne le travail et on regarde un peu. On reprend le dos. Ça paraît difficile, mais c'est facile. On remet le devant dessus. On place, faut surtout bien placer. Vous voyez ici où on vient de faire. On va refaire une rangée. Il faut arriver en haut de l'épaule. On va refaire une rangée. Donc on tourne. Une, deux, trois. Et vous refaites les motifs. On enroule et les hybrides. Et on se rejoint à la fin de l'épaule. Voici terminé. Pour l'épaule, il faudra coudre comme ceci, à ras de la coquille, pour que ça fait en biais, ou vous pouvez encore mieux le coudre comme ceci, à ras, suivre. Donc il faut faire le même de l'autre côté, exactement pareil, et on se rejoint après. Voici les deux épaules terminées. Je les ai cousus, vous voyez, la petite coquille dépasse un peu. Donc j'ai cousu les côtés. Il faut faire des petits points parce qu'avec les trous, et il faut coudre du côté envers, c'est-à-dire je vais le retourner. Là c'est envers, je vais le retourner, il va être à l'endroit. Les coquillages sont du côté ici. Bien placé, voici le cou, les épaules, les emmanchures, le bas. Donc, comme je vous ai dit au début, vous pouvez faire les deux côtés fantaisie, coquillage. Hein. Et maintenant, on va s'occuper autour des manches. Faire une maille serrée. Donc on va dans le creux ici, on y met de la laine, hop, on fait une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Nous arrivons à la fin, tout autour du tour de manche. On fait une maille coulée dans la maille précédente. On va faire maintenant trois mailles en l'air. Et dans chaque maille, on va faire une bride. Tout autour. Donc vous faites tout le tour à tour de bride. Voici terminé. J'ai fait, comme je vous ai dit, une rangée de mailles serrées autour des emmanchures, plus une rangée de brides. Donc de l'autre côté, évidemment, pareil. Moi j'ai retrouvé 59 maille serrée. Donc ensuite vous vous doutez que le col c'est pareil, une rangée de mailles serrées et une rangée de brides, c'est à suivre de toute façon comme les emmanchures, vous voyez. Maintenant c'est du, je vous avais dit du 38-40, c'est toujours du 38-40, ça peut aller jusqu'à 42 parce que ça se porte large ou un peu serré. 42, même 44, mais ça va du 38-40. Et vous pouvez également faire le motif ici, pareil. Ben, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
Alors j'attends vos corps, vos pouces bleus et abonnez-vous. Merci.